mère. Mon pote. Elle m'a dit ta mère. Je dis, ah ouais, nique ta mère. Je dis, attends. Elle a parlé à ma petite soeur sur Facebook. Je vais dire, je vais. À ma mère, je vais dire, je vais te laisser le temps d'oublier. Votre fille, c'est droguée, cette pute. Regarde, moi j'écris net à ta mère, elle sera ravie de savoir des trucs. Toi. Et là, elle est devenue ouf. Voilà, elle m'a appelé, elle m'a laissé des messages. Mais c'est quoi le message? T'envoies une vidéo. Tu peux me le faire entendre là? Viens, GS, je te retourne et tout. Parce qu'elle est là, parce qu'elle traîne plus un peu. Je leur retourne. Elle dit, viens, GS, je te retourne. Non, mais attends, elle fait lui voir le. Et tu peux lui écouter le message où elle est à Jeun et le message où elle se rend pour Al Pacino. Elle se rend pour Al Pacino, bah. Moi, t'es blindé, le bâtard. Je dis que oui, qu'est-ce que ta mère hein. Je sais pas qui je suis. Tu veux que je fais un 35, je te retourne. Je vais te mettre à 4 pattes, je vais rentrer un bâton dans le cul, tu vois. Tellement tu vas mouiller avec le bâton, ça putain, je vais te rentrer, je vais te sortir par la bouche. Ça, c'est le dernier camion. En plus, c'est pour la que voilà, tu vois. Tu dis, moi, et mon putain de clébard, on t'a donné 1000 euros à un sale cas. Alors, je dis, ferme ta gueule maintenant. Et ça, c'est pas comme écoute celui-là. Écoute celui-là. Écoute ça. Et ça, c'est quand les samedis soirs, elle m'a appelé à 3h du matin, elle était rabat au bédo. Arrête tes conneries. Elle fait. Mais c'est quoi, quoi? Elle sait même pas parler, hein, quoi. Non, elle fait pas de délire, là. Arrête de parler. Attends, parce que moi. Elle part, ça, pas de chien, pas. Écoute, hein. Parce qu'elle dit, parce que moi. Là, elle revient sur ses paroles là. Là, elle est en panique. Attends. J'ai jamais parlé en mal sur ton dos là. Mais toi, t'es sûr qu'elle a couché avec Chico et tout? Ouais, sûr. Regarde, bah, il était chez elle de midi à 4h du matin. J'ai Chico et j'achète. Parce que lui, il venait chez moi, j'allais à la boucherie, je lui prenais du thé pour la menthe, j'ai acheté de la vodka, tout pour qu'il soit bien, tu vois. Je lui dis, tu viens à la maison, il me dit, à quoi tout? Toujours il venait, j'allais à la boucherie, je prenais tout. Pour qu'il soit bien, voilà. Moi, j'aime pas les gens qui venaient, je lui disais, ah bon, attention. Je lui mangeais, je lui massais, je fais ça, bâtard, je te massais les pieds tout pourris. Même avec ton sac, faut pas avoir de confiance, surtout avec les femmes. Je te le dis, vous achetez quoi, je parle. Je m'en bats les couilles de Chico. Mais toi, t'es marié, t'en bats les couilles. Non, mais Chico, il est marié, il a des enfants. Il me dit, t'es une grosse pute et tout. Je lui dis, moi, je suis une pute. De toute façon, depuis le premier jour que j'étais avec toi, j'étais avec une autre meuf. Je dis, bah, certes, car je dis, alors toi, t'es autant une pute que moi. Ah ouais. Bah ouais, je m'en vais. Bref, pédé. Franchement. Mais même, il y a une meuf au bled, lui. Ouais, mais même, franchement, Coco, même toute nue, Hachak, elle est droite. Ouais, encore comme je dis que, oh là, bah, il me trompe. Qu'il me trompe avec quelqu'un de mieux. Ouais, ta meilleure copine, mais c'est ça l'histoire de meilleure copine. Mais même elle est dégueulasse, si ma meilleure copine, ça avait été Clara Morgane. Un jour ou l'autre, ta meilleure copine, elle se tape ton gars parce que c'est un moment d'ivresse, de rapta, tanana. Et c'est la chatte et la bite qui parlent, et voilà, ils s'unissent pour le meilleur. Mais ils se mettent pas la bague au doigt, tu vois. Ouais, c'est relation libre. C'est ce presto, oui, tu vois. Voilà, non, mais si ça avait été Clara Morgane, là, c'est Moby Dick, s'il te plaît, pas chier, arrête. Plus jamais me la mettra, c'est ça, la meilleure copine. Tu l'aides et tout pour ton enfant, tout pour son enfant, tout ça. Tu te des balles, mais un jour ou l'autre, elle se tape ton gars, vite fait, elle s'en bat les couilles, la meuf. C'est ça le truc. Mais je crois que c'est que d'ordre sexuel. C'est pas d'ordre, ouais, elle a des sentiments pour lui. C'est que la meuf, elle était en chienne depuis des jours et il fallait qu'elle se prenne une bite. Non, elle s'était fait niquer la veille par Nordine. Tu vois, Nordine de Zaki. Ouais. Ça faisait un an, Bachir, qu'il n'avait pas été chez elle. Elle est à Haas de Bédo, il lui a ramené un joint. Un joint de deux. Un joint. Ok, là, même pas de deux. Tu crois qu'elle est où?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc Chico couche avec Coralie, la meilleure copine de Julie, et Julie et Zahaf. Voilà quoi. Donc pour un khnaf, Coralie elle s'est fait sauter par le Gazaki, bon, pour un bédou, dommage. Quoi qu'il en soit, Coralie est une sacrée drôle de dame, hein, vraiment une sacrée. Hein. Mets-toi là, Isaya. Vas-y, Matt. Est-ce que t'aimerais défoncer Coralie? Oui ou non, franchement? Non. Pourquoi? Parce que... Mais tu l'as déjà vu? Ouais. T'aimerais bien? Bah, ici. Avec son gosse Nolan? Ouais, non. T'aimerais bien la niquer? Non. Ivre et tout, pétardé. Défoncer bien dans la soirée. Trois noms dans le cerveau. Non. Pourquoi? Non. Pourquoi? Lâche-toi. Bah et toi, Mehdi? Moi, personne de moi. Ouais, dans une soirée comme ça. Une soirée, tac, rabat, ouais. J'ai des grappes dans le sang. Franchement, elle met toute nue, elle se doit, je la touche pas, je prends un bâton et je fais tester le bâton, je fais kiffer le bâton, tu vois. Je dis, mets-toi quatre pattes, et je lui rentre le bâton dans le cul et je lui sors par la bouche. Et après, je la prends comme un cochon. Hop, et je la mets à. Tu vois? Je la mets à frire sa mère. Et toi, elle t'a traité, toi? Non. Non. Ok, bon, assalamu alaikum, inshallah. Julie! Toi, tu comptes revoir Coralie ou pas? Non, tu la revois, c'est pour la bébé. Obligatoirement. Ouais, mais tu veux non. Pas faire la paix avec? Mais non. Et si j'habite à la maison? Non. Ah ouais, putain, ça craint. J'aurais bien voulu l'inviter à la maison. Arrête ta merde là. Mais pas sur YouTube, hein, parce que je vais porter plainte contre diffamation. Hein. Je le dis avec dommage et intérêt. Ah, t'es en train de filmer, enfoiré. Bon, Coralie, c'est pas bien ce que t'as fait, hein, Inch'Allah. Hein. T'as couché avec Chico alors que Chico est marié. Ah, c'est pas bien. À ta meilleure copine en plus. Ah, t'as vu comment tu lui parles comme une, je sais pas quoi, ouais. Quoi la meuf qui fait des. Ta meilleure copine, tu la traites et tout. T'es toujours défoncé et tout. C'est pas bien, Coralie. On va t'apprendre c'est quoi la vie, tu vois. Mais bon, t'es toujours dans notre petit cœur et puis t'es une sacrée drôle de dame, hein, vraiment. Mais ta mère, t'inquiète pas que je l'ai pas oublié, tu vas payer. Je vais te faire payer, le nique ta mère. Tu vas voir c'est quoi, nique ta mère.